Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir. Donc chers amis, nous sommes toujours sur cette lune, hein, c'est clairement une lune pour moi, hein. En tout cas j'estime que c'est une lune, je ne sais plus du tout ce que nous faisions. Cependant, moi j'avais pour principe, pour idée, d'aller chercher les différents artefacts que nous avions pu trouver dans cette aventure, dans cette caverne précisément. On va donc essayer d'aller la chercher. Ok, c'est comme ça que j'avais fait mon bordel. Ok, je comprends. Je me retrouve plus ou moins. Alors, les touches, cela dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est passé des choses entre temps. Le jeu a eu plusieurs mises à jour qui ont créé quelques lags, apparemment. Donc, pour l'instant, je n'en sens pas trop, je dirais. Est-ce qu'il reste des artefacts dans le coin? Apparemment, non. S'il y a quelque chose à aller choper. Pas trop full. Je me foulise. Du coup, je vais peut-être patienter un petit peu avant de continuer à choper des choses. Est-ce que je pourrais pas agrandir un peu mon bordel? Hop. Alors, je vous rassure, chers amis, moi je me renseigne sur plein de jeux en ce moment. Ah, bah voilà. Voilà quelque chose qui m'intéresse. On est d'accord, je peux pas le porter sur moi, bien sûr. Hop. Crac, voilà, on va le mettre devant. Je sais pas si je suis véritablement plus lent. Avec ça, ou pas. Je sais que j'ai un sprint, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. On va quand même le ramener sur la base, on va y aller tranquillement. Hein. Hop. Alors, ce jeu est véritablement prometteur, hein, tant par son ambiance d'ailleurs. En parlant d'ambiance, je vais faire un petit truc, chers amis. Je vais légèrement... Bah, quand je vois audio du bureau, apparemment, ça me semble pas trop mauvais. Bon, si vous souhaitez que j'augmente un petit peu le son du jeu, n'hésitez pas à le dire. Je le ferai. Jusque là, apparemment, j'ai l'air d'être à 50% de la barre, pardon, excusez-moi. Par conséquent, je considère que c'est pas trop mal. Si ce n'est pas assez fort, dites-le moi. Alors, j'aurai besoin de rechercher des choses. Est-ce que j'ai de l'énergie suffisante? Oui, apparemment, oui. Hop, recherche. Donc oui, j'ai toujours malade. Du charbon, alors c'est pas véritablement ce qui m'intéressait pour le moment, si je puis dire. Est-ce qu'il me reste de la place, cela dit, sur cette chose? Oui, il m'en reste une. Alors moi je rechercherai plus de nouvelles technologies, chers amis, pour le moment en tout cas. Chose que nous ne trouvons pas à l'heure actuelle. Donc c'est un léger problème. Hop. En tout cas, en termes de lag, on n'a pas l'air d'être trop servi. Jusque là, je suis assez heureux. Si je puis dire. Parce que je me suis inquiété l'espace d'un instant. Allais-je en avoir ou pas? Est-ce qu'il y a encore... Là, il y a quelque chose. Oula. Il y a la bestiole qui va avec. T'en vas pas trop loin? Je me suis fait empoisonner par quelque chose là, non? Ok. Je vais remonter celui-là ici. L'autre, si je peux, pareillement. Apparemment, je l'ai pas détruit. Apparemment, je ne l'aurais pas détruit. Ce qui m'ennuie. Non, j'aimerais que tu restes là, toi, s'il te plaît, merci. Bon, bah, je suis vexé, apparemment, il veut pas me le rendre. Donc, bah, écoutez, tant pis, hein. Je vais refermer ce trou. Crac, puis je vais redescendre un petit peu en allant chercher d'autres. Et ainsi de suite, s'il en reste. Ok. S'il en reste, et apparemment il en reste, effectivement. Crac, il en reste même un bon nombre. Hein. Ah oui, pour remonter, faut que je le fasse passer sur les surfaces. Exact, exact.
Je vais essayer de remonter les deux en même temps. On verra bien. On voit bien que j'ai plus le jaune à l'heure actuelle qui s'affiche. Que je considère donc que je n'ai plus d'énergie à l'extérieur de mise en place. Je peux le poser? Je peux le poser, parfait. Alors s'ils ont corrigé le fait qu'on puisse poser les objets, parce qu'avant on vous rappelait les objets glissaient un peu. Exactement ce qui se passe maintenant là. Ce serait parfait à vrai dire. Voilà, est-ce que je peux les récupérer celui-ci? Crac, je peux en monter deux alors, donc je vais en profiter. Hein. J'en ai deux à portée littéralement. Ok. J'essaie de le passer au-dessus, mais je pense que celui-là il va se poser correctement ici. Voilà. C'est pas le plus chiant des deux, on va dire. Parfait. Bon, bah ça se passe assez bien. Donc oui, je recherche toujours plus de technologies et je pense que une fois que j'en aurai trouvé, je retournerai sur la première planète. Que nous avions bien mieux colonisée que celle-ci, hein, si je puis dire. Même si, encore une fois, je rappelle que ça c'est un let's play découverte. Si jamais je devais faire un truc un peu plus approfondi, je pense que j'essaierai d'être un peu plus intelligent sur la manière de poser, je pense. De par mon expérience de la construction en 3D, qu'un développement en étoile... en étoile ou en flocon? En flocon, je pense. Un développement en flocon serait peut-être plus intelligent. Je suis désolé, je suis encore malade. Ou à nouveau. Je ne sais pas vraiment si encore est le véritable terme à utiliser. L'astre se lève, on peut profiter un petit peu de l'énergie. Vite. Parce que je vais pas l'appeler le soleil. Hein. Ah la vache, je suis pas encore complètement chargé. Hop, vas-y, charge. Ce sera... du cuivre, génial. Voilà, hop. Recharge, 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 recharge. Allez. You can do it. You can do it. Est-ce que je pourrais pas, pour le moment, maximiser un petit peu la charge? En espérant que ce soit suffisant. Ah la vache, je captais déjà plus le premier avec le soleil le premier. C'est dommage. Vas-y, profite. Allez. Avant qu'il ne se barre. Ok, c'est bon, on est bon. Phew. Hop, merci. Oula, pas le bon bouton. C'est celui-là, ok. Crac. Allez, un petit peu de... Mais je crois que le rouge, les rouges donnent apparemment me donnent l'impression qu'ils donnent énormément de... de choses pas intéressantes, si je puis dire. Résine. Plutôt par là. Hop. Non, je voulais pas faire ça. Quel con. Quel con, quel con, quel con, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, puis je pourrais pas la déconstruire. Bon, bah c'est pas grave. Mince, 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 mince. Plateforme d'échange. On m'a dit que c'était pratique. Aluminium. J'en ai. Organique. Non. Est-ce que j'en ai de l'aluminium? Ça, c'en est. Non, c'est du cuivre. Marcus, c'est du cuivre. Est-ce que j'ai de l'alu? Minerai d'aluminium. J'ai de quoi le faire fondre ici ou pas? Non. Est-ce que je peux faire un retour sans avoir de problème? Parce que j'ai encore beaucoup de carburant dedans. Peut-être que je fasse un habitat avant. Habitat, il me faudra du composite. Et du composite. J'en ai peut-être encore sur moi. Non. Aluminium, j'ai une barre d'aluminium. Ok, ça c'est du cuivre effectivement. Composite, 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 composite. Habitat. Alors j'ai si peu de composite que ça? Résine, résine, résine. Charbon. C'est quoi ça? Putain, c'est de l'aluminium, j'en ai deux. Je pourrais faire une plateforme d'échange. Non, je préfère garder la... de quoi faire la plateforme pour... pour la planète, pour notre planète de base. Du coup, ça m'embête. Du coup, ça m'embête vu que je n'ai pas d'autre chose.
Je sais pas véritablement à quoi sert l'habitat. Peut-être à commencer une nouvelle base. Si je pouvais... J'ai peur de ne pas pouvoir revenir en fait exactement ici, c'est ça le problème. Si je n'avais pas cette crainte... Oh là 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 là, il y a du danger là-dedans. Si je n'avais pas cette crainte, ce serait bien mieux. Tu sais que ça. Je peux pas creuser ce truc-là? Ah, je peux le sortir. Wouh! C'est la fête! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'intéresses. Par contre, en termes de... Comment de... En termes de... Comment de... D'oxygène, je suis tranquille avec deux barils, dis donc. Et c'est la violence. Dis-moi que t'es full... Oui, il est full charge, parfait. On y va. Allez, cherche-moi ça. Fais-moi plaise. Dis-moi que c'est épique ce qu'il y a dedans. Dis-moi que ça va me plaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de trucs encore à trouver. Pile. J'ai trouvé de quoi faire des piles. Une place, panneau solaire, stockage, éolienne, batterie. C'est quoi la différence entre une batterie et une pile? Alors, apparemment c'est pas ici. Girouette, solaire, batterie, rallonge, réservoir, pile. Il faudrait du composite. Je sais pas ce que c'est véritablement, peut-être des sources d'énergie uniques. Je ne pourrais pas dire. Ok, on a trouvé quelque chose, cela dit. Si je voulais faire des rallonges, il me faudrait du composite, que je n'ai pas. Je vais donc partir toujours dans cette direction, maintenant qu'on est full énergie. Qu'est-ce que cette planète qui passe devant nous? J'ai pas l'impression que ce soit la nôtre. J'essaie de rester sur les hauteurs, mais... Quelque chose là-dedans. Quelque chose là. Wouh, c'est la fête. Inconnu, on y retourne. Où est la base? Là-bas. Hop. On n'a pas encore gaspillé un seul tank hein, de commande d'oxygène. Là on va en gaspiller un, vous allez voir. Enfin gaspiller si tout est relatif hein. Mais franchement en termes d'oxygène on n'est pas trop mal hein. On peut partir un petit peu sans trop de crainte. Ah génial, on va recharger l'énergie encore une fois. Ça va être parfait. Ou alors je prends le composite pour garder le... Oh là là là, je sais pas. Allez, recharge, recharge, recharge. Il paraît que la plateforme d'échange c'est hyper pratique. C'est l'inverse que je souhaitais faire, désolé. Excusez-moi, je suis sincèrement désolé, chers amis. Je sais pas véritablement à quoi ça sert le shift. Enfin le contrôle, pardon. Ok, allez, cherche. Fais pas mine. Aïe, je suppose. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ah, parce que je suis toujours dans le cadre normalement. Oui, parfait. Qu'est-ce qu'on va trouver? De l'hydrazine, ça peut être pratique. C'est pas véritablement ce que je cherchais, cela dit. Bon, on repart. On repart, on repart. Attention, on n'a pas l'énergie pour nous sauver la mise, là. Il faut qu'on vise la montagne en revenant. Ah merde, ouais, on va arriver au cratère. Cratère de l'infini. Oh là 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 là. Ok, faut pas que je m'arrête de courir, cela dit. La deuxième. Organique. Putain, c'est une bestiole. C'est un fossile de bestiole mort. Morte. Je pense. D'où la ressource organique qu'il y a au-dessus. Enfin, c'est sur ça que je partirais moi en termes de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est juste du sol. Du sol supplémentaire, si je puis dire. Enfin, différent. Je vois toujours la base, donc j'ai pas de raison de me plaindre. Qu'est-ce que... What? What the... Ah
Si je m'en approche, est-ce que j'ai peut-être encore de l'oxygène à récupérer là-dedans? On peut voir que niveau oxygène, c'est en train de baisser à fond. Hein. Donc, rien à trouver là-dedans. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais le ramener. Et je pars maintenant, hein, parce que là, ça va plus niveau oxygène. Hein. Là, on va, vous voyez, on est à la moitié du comment du deuxième baril. Là, j'ai des peurs, là, j'ai des craintes, là. Je vais passer par là, si je peux gagner du temps. Allez, Marcus, cours. Cours, 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 cours. Après, t'auras 10 secondes supplémentaires pour courir, mais ce sera pas suffisant. Allez, Marcus. Allez, allez. Oh là 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 là, ça pue. Et je vois plus la base. Merde. Je vois plus la base. Ça pue. J'ai joué au con. Je ne vois plus la base. Oui, la base. Oui, la base. Je ne vois plus la base. Je suis dans la merde. J'ai joué au con, j'ai tourné la tête, je suis baisé, je suis mort. Même en montant aussi haut, je ne vois plus rien. Ça, c'est pas bon signe. Parce que là, je vais... Ah, suffocation, fais chier. Je suis mort. Putain, la base est là-bas. Ah, je vais tellement chier à revenir ici. Je suis mort. Je vais tellement chier à revenir ici, chers amis. Oh là 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 là. Bah là, du coup, je vais devoir utiliser le composite. Que nous étions en train de garder. Malheureusement. Parce que j'ai joué au con. Parce que j'ai joué au con. Rallonge. Vas-y, fais péter. Et on y va. Oh là, c'est pas par là. Crac. On en est où dans l'épisode? 7 minutes. Bah ce sera malheureusement la dernière chose qu'on fera, je pense. Hop. Ah, apparemment je suis trop loin. Merci. Hop. Crac. J'étais vraiment pas parti dans la bonne direction, c'est pas possible. Se planter à ce point. Ah, il m'en reste plus qu'une. Allez Marcus, tu cours. Allez Marcus, allez Marcus, allez. Allez Marcus, allez Marcus, allez. Hop. Mais non mais, dans ton sac. Marcus, fais pas, sois pas débile. Oh putain. Il est débile. Oh mais non mais, il est débile. Mais non mais, tu veux bien le mettre? Ah la vache, il avait du mal hein. Il en avait pas envie hein. Allez Marcus, retourne chercher tes trucs. Tu peux en profiter, vas-y. Recharge-moi ces deux trucs-là. C'est tout ce dont on avait besoin au départ, hein, finalement. De quoi recharger notre oxygène et de partir. Vous voyez, en train de grimper. On est bon. Oh là 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 là, mais c'est la dèche. Pourquoi je suis mort là-bas? Comment j'ai pu mourir là-bas? Il n'y a pas de crouche dans ce jeu, d'ailleurs. J'ai pas pensé à ça. Oh, il y a le reflet, par contre. C'est génial. C'est absolument génial comme jeu. Ok, on y va. Là, on a largement le temps de récupérer tout notre bordel. Le seul véritable ennui que j'ai, c'est que je ne sais pas dans quelle direction je dois aller pour retrouver la carcasse, maintenant. L'aluminium, je peux le récupérer. Vous voyez, mais c'est bête qui se tourne. Hop. C'est vraiment stupide le fait qu'il se tourne. J'aurais dû mettre une balise. Voilà pourquoi il faut emmener les balises, chers amis. Hein. Construire des balises et les emmener, c'est la seule raison que nous avons véritablement. Alors je vais essayer de ramener tout ça, parce que ça maintenant on en a plus besoin.
Apparemment, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à les remettre dans mon sac. Ah. Aurais-je une forme de bug? Vu qu'apparemment, je n'ai pas le droit de remettre les trucs dans mon sac. Si, ça y est. J'ai pu en récupérer une, mais pas toutes apparemment. C'est génial. Les autres ont complètement buggé en fait, juste ça. C'est cool. Ah mais non, mais prends-la, arrête de la montrer. Hop. Vas-y, place-toi comme il faut, s'il te plaît. Place-toi. Merci, voilà. Crac. Et on est bon. Bon, recherche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dis-moi que c'est utile. Dis-moi que j'ai pas fait ça pour rien. Ouh. Ça m'intéresse. Treuil. C'est quoi un treuil? Ça me servira à quoi le treuil? Treuil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour tirer quelque chose? Mais pour tirer quoi? Bah merde. Ok, bah pourquoi pas. Honnêtement, je partirais bien chercher le... le vaisseau. Hop. Hop. Si j'arrive à le retrouver, bien sûr. Merde. Voilà, c'était ma dernière. On n'a plus qu'à partir tout droit. Grimper sur la montagne. La base, pour se souvenir, elle est... merde, où est-ce qu'elle est? Au nord. Nous dirigeons donc toujours plein sud. Ou presque. On esquive la caverne qui est là. Là, c'est un poil trop montagneux pour ce que j'apprécie. Et surtout, ça me rappelle rien. Là-bas, il y a de l'aluminium qui brille fièrement. Ça, je sais pas ce que c'est. Apparemment, il y a un truc en dessous. Du coup, je vais le prendre et je vais revenir plein nord. En tout cas, en direction de ce qui me semble être notre base. Et si possible aussi, de la ligne. La ligne bleue qui est pas dans la bonne direction, finalement. Ok. Une fois qu'on aura rejoint la ligne, c'est suffisant. On aura fait ce qu'on avait à faire. On aura retourné... voilà. Et là, on est en mode survie. Là, on survivra quoi qu'il arrive, maintenant. Donc ça, c'est cool. Ok. Ce serait peut-être une bonne idée de revenir sur la planète de base. Maintenant qu'on a moult technologies supplémentaires, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. Du charbon, génial. Ouais. Allez, je tente le coup. Sauvegarde en cours. Et chers amis, le coup, on va le tenter dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop!